Deux fois deux, quatre? Non, c'est deux plus deux, quatre. Non, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de la somme de k égale 0 à n des 2 puissance moins k, le tout au carré égale 4. Non, c'est 3 factoriel 5 fois le produit des 1 sur 1 moins p puissance moins 4 avec p premier facteur de la série alternée des intégrales de sinus puissance k entre 0 et pi sur 2 multiplié par l'inverse de 20 arctangente de 1 septième plus... Non, c'est la racine cubique de la norme de la somme de k égale 0 à 2 du vecteur 0k fois la factorielle du produit de j appartenant à l'ensemble des nombres premiers intersectés avec l'intervalle 0, 2 de j carré sur la racine carrée de l'intégrale de moins 1 à 1 de 5x cube dx plus la limite pour t qui tend vers 0 de 3 fois l'exponentielle de pi t moins 39 fois le cosinus puissance 5 de l'argument de l'exponentielle ipi plus la valeur absolue du cardinal du singleton formé par la matrice 3 moins 2, 7, 8, le tout divisé par l'intégrale de 0 à 1 du logarithme népérien de la somme pour oméga qui varie de 0 à plus l'infini de la dimension de l'ensemble des nombres réels vu comme un espace vectoriel sur la factorielle de oméga fois la factorielle de l'arctangente de la tangente de 2 moins la tangente de pi sur 4 fois la dimension de l'espace vectoriel engendré par la famille formée par le vecteur 11, 3, dy, égale 4.